Beurre FM. Les émojis de Sami Amara. Ah bonjour à tous. Alors l'emoji cette semaine, j'ai pris l'urne de vote. Les élections régionales. Du coup toi t'as voté Joachim? Oui, j'ai voté. Ce que tu disais, j'étais pas sûr. Pour moi t'avais pas de papier Kim à la base. Je pensais que t'avais Harag en France. Mais j'ai réussi à faire mes papiers. La classe, beau gosse. Bon et toi Mouna, t'as voté également? Évidemment, je n'ai pas trop eu le choix, il fallait le faire. Mais je parle des élections régionales, pas de télé-réalité. Je parle des élections régionales. On ne vote pas dans la télé-réalité. À la voter à Beurre FM 7, 17, 18. Ouais, voilà, c'est ça. Pour gagner mes places pour le parc Astérix. C'est ça. Non, c'est important de voter. Vraiment, c'est super important. Important parce que ça te permet de dire à ceux qui ne l'ont pas fait, tu peux leur dire pourquoi t'as pas voté? Il y a des gens qui sont battus pour que t'aies le droit de vote. Et après, t'as un sentiment d'autosatisfaction et de supériorité. C'est vrai, j'avoue. Non, mais 35% de participation. T'sais, avant, on donnait le taux d'abstention. Maintenant, on donne le taux de participation. T'sais, c'est une façon optimiste de voir les choses. T'sais, au lieu de voir le verre à moitié vide, maintenant on le voit à trois quarts vide. C'est ça. C'est optimiste. Non, 35% de participation. C'est quoi ce délire? Il y a encore moins de votants qu'une élection de délégués de classe. Vote à main levée aurait été plus judicieux, les mecs. C'est ouf. Alors, vraiment, c'est ouf. 65% d'abstention. C'est un truc de dingue. Mais moi, j'ai une idée pour rebooster tout ça. Déjà, tu sais, comme candidat, pour attirer les jeunes qui sont les plus abstentionnistes, je vais révolutionner le game. Tu vois, je mettrai, je sais pas moi, comme candidat NAPS. Ouais. NAPS. Ah, comment j'aurais voté direct Tu vois, direct ça marche. J'aurais pas forcément voté. Je veux d'abord voir son programme. Moi. Ah non, moi je mettrais NAPS. Tu vois, alors direct. Imagine le délire. Tu vois, du coup, on changerait le protocole aussi des élections. Tu sais, les mecs, on ferait comme ça. Tu sais, au lieu que l'assesseur dise à voter au moment où tu glisses l'enveloppe dans l'urne, il dirait, je sais pas moi, OK. Tu vois, ça marche direct sur moi, en faisant le signe de Joule. Tu vois, c'est, je t'ai dit, c'est pour attirer les jeunes. Regarde, Mouna, elle est OP là. Je suis motivée là. Non, mais pourtant, elle est pas jeune. Ça y est, elle est pas. Maintenant, quoi que les jeunes, c'est les 15-26 ans maintenant. C'est ça. Elle est encore dans la tranche d'âge. Voilà. Bien sûr. Non mais faut innover. Hein. Et c'est pas la seule idée que j'ai eue. Hein. Regardez, à chaque passage dans un bureau de vote, on tamponne ta carte d'électeur et une fois qu'elle est pleine, on t'en envoie une autre. Tu sais, ça c'est nul, c'est tout pourri. Moi je propose qu'une fois que t'as tous les tampons sur ta carte d'électeur, t'as un kebab offert. Ça marcherait fort. Sur toi Kim, ça marcherait très fort. Tu vois, j'ai déjà Kim et Mouna dans la poche. Non mais c'est, voilà, ça sera un délire. Et en plus t'as vu les bureaux de vote, ce sont dans les écoles primaires. Ils sont dans les écoles primaires. On n'a qu'à organiser les élections le jour de la kermesse de l'école primaire. Tu te rappelles de la kermesse ou pas? Oui. Ah quoi que non, toi t'as fait l'école au bled, toi t'es... Non, j'ai fait l'école en France, moi. Et toi Mouna? Mouna, t'as été à l'école jusqu'en primaire? Et il y a des kermesses au bled aussi. Bac plus 5, machallah, comme on dit. Je vois pas. Bref, alors on irait au jour de la kermesse, tu vois. Et pour chaque vote, t'as un ticket de tombola. Là, ça rendrait le truc un peu plus fun, tu vois. Ça cartonnerait, ouais. Ça cartonnerait, tu partirais voter à pied, tu reviens en vélo. C'est stylé. Bah oui, parce que t'as fait la tombola entre-temps. Et pas parce que tu l'as volé à la mairie de Paris. Ça, après, chacun son délire. Bref, ce sont mes solutions pour lutter contre l'abstention. Petite assonance en on. Et puis on m'a toujours appris qu'en démocratie c'est la majorité qui l'emporte. Mais aujourd'hui c'est devenu les absents ont toujours tort. Merci de m'avoir écouté. Beurre FM 6h-9h 6h-9h La matinale avec Kim, Mona et Waïd.